Vous... Quelle est votre question? Oui. Je voudrais savoir, Oui. est-ce que quand tu actives les GPO pour le profil itinérant, est-ce que même si effectivement, le profil itinérant, est-ce qu'il va se mettre à jour sur tes anciens dossiers ou il va créer de nouveaux dossiers de profil itinérant avec ton vidéo? Alors, on va essayer de faire avec des exemples. Ta question est, actuellement, tu as un profil itinérant pour Batman Oui, mais qui a quelqu'un été créé via la semaine dernière. non, Quand? le GPO. Ah, par GPO. Ouais. Très bien. Je les ai tous Mais, supprimés, celui-là. d'accord, il a été créé par GPO avec l'ajout du compte administrateur ou pas? Oui. Très bien. Et donc, la question, c'est quoi? C'est si j'avais gardé mes anciens fichiers Est-ce qu'il y avait Batman avant? Oui. Donc il y avait un ancien profil Batman. Oui. Tu mets en place le GPO, ça change rien, il a déjà son profil. Donc ça va alimenter ce dossier-là, l'ancien dossier. Oui. Mais attention, il n'y aura pas d'administrateur dedans. Oui, voilà, il n'y aura pas d'administrateur D'accord. dedans. Ok, très bien. Tout à fait. Il utilisera encore son ancien dossier. Ça ne va pas faire un nouveau dossier. Tu n'auras pas Batman V6 et Batman V7, si Ouais, tu veux. ok. Eh bien, je vois qu'il y en a qui n'ont pas signé ce matin. C'est pas faute de l'avoir demandé. On s'est assigné cet après-midi aussi, hein, tant qu'à faire. Ah, vous voyez ma signature? Bah, t'es dans le stream en ce moment. Voilà. Mais signez tous, hein. Voilà, donc je vais regarder. Bon alors, ce GPO, est-il fonctionnel? Non? Qui a dit non? Le G, il est où le G? Qu'est-ce qu'on a? Administrateur du domaine. Johan Micou. Ah, laisse-le, Johan Micou, là. Laisse comme ça. Fais voir ton GPO. Show me your GPTO, please. Serveur 1. Non, là, ok, profil itinérant. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet paramètres, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Définir le chemin du profil utilisé sur le serveur anti-SHG1. Toi, c'est profil sans S. D'accord. Pourcent username. Pourcent. Ok, ça c'est bon. Et bah, t'as pas mis le deuxième paramètre qui ajoute le compte, le groupe administrateur au profil itinérant apparemment. Est-ce que tu peux modifier ce GPO s'il te plaît? Tu retournes au même endroit, c'est-à-dire non, c'est dans stratégie. Utilisateur. Modèle d'administration. Il est où ton nouvel utilisateur? Système. Profil utilisateur. Propriétaire. Ah, peut-être profil. Non, c'est très bien. Tu double-cliques sur le premier paramètre. Ah bah si, il est activé. En bois 2. Ah bah si, tu l'avais activé. Alors, c'est parce qu'on n'a pas rafraîchi. Ok. Ferme cette fenêtre. Ok. Fais F5. Va sur ton client. La stratégie de sécurité renforcée d'Internet Explorer n'est toujours pas désactivée. Donc effectivement, ça va être chiant. Fermé. Ben, c'est toi qui dois faire le Descends. Descends. C'est bon, il y a les deux. Ça a l'air bon. Tu as bien fait GP Update sur les deux postes de travail en étant logué en administrateur et tu les as redémarrés. Voilà, Allez. administrateur. En tout. Oui, parce qu'à côté, ça marche pas. Maintenant, on va faire un GP update de son client, parce qu'il faut le faire sur les deux clients. Allez, oui. Ah oui, le deuxième. Allez, oui. Ah bah oui. Pareil, un administrateur. Allez, oui. C'est
Non, ton client 2. Voilà, là, tu te connectes. Reboot. Non, non, non. Tu fais redémarrer proprement. Merci. Sa mère l'hypopiète. Même chose sur le deuxième client. Allez. GP update, reboot. Non mais. Ah c'est jeune. Attends. Qu'est-ce qu'il y a un message? Oui, mais c'est ce qu'on a vu. Il fait du caca, il doit avoir le message. Ouais. Ah mais non, parce que là, il n'est juste que le mot de passe incorrect. Il a redémarré ton client là? Est-ce que tu peux te loguer avec quelqu'un d'autre? Que c'était Lilian Lasland? Ouais. Prends un autre utilisateur. De données de sécurité du serveur n'a pas de compte. La volée te dit, ordinateur pour la relation d'approbation, donc c'est une station de travail. Est-ce que tu as déplacé tes clients dans la base ordinateur et tout? Si tu retournes sur ton serveur 1. Serveur 1, gestion et stratégie groupe. C'est là. Non, à côté. Ah, il y a un problème avec les profils itinérants, manifestement. Parce que là, retourne sur ton serveur 1. Ne sont pas. Où c'est que t'as déplacé tes ordi tout à l'heure? Alors, est-ce que tu peux sélectionner ton chemin UNC, là, anti-slash SRVGD02, anti-slash profil? Non, sans le pourcent username pourcent. Bas sur ordinateur en bas. Juste profil. Dessous vente, en dessous de vente. Ah ben oui, t'as ton client 1. C'est pas grave. CTRL-C, Windows R, CTRL-V. Entrée. Tu passes en haut, computer. Tu peux faire un nouveau dossier, là? Non mais attends, c'est Johan Miku que tu viens d'essayer, là? Oui. Bah, ça a fonctionné, ça vient de créer son dossier, là. Oui, mais du coup, je crois que ton client 2 n'est pas sur le domaine. Donc il faut que tu... Ah, attends, est-ce que tu peux aller dans utilisateur ordinateur Active Directory, s'il te plaît? C'est l'outil, il est déjà ouvert là, il est en bas dans ton serveur 1. Regarde dans ta barre des tâches. Bon bah retourne sur le serveur 1. En bas, la barre des tâches. Là, c'est lui. Il est où, Johan Miku? Double-clic. Va dans l'onglet profil. Ok, ça c'est bon. Ah bah c'est cocasse ça. Retourne sur ton client 01 là où t'as réussi à ouvrir la session. Est-ce que tu peux faire Windows R anti-slash serveur 02? T'as oublié le double anti-slash au début. Entrée. Va dans profil, crée un dossier. Ah ben ça c'est cocasse. Tu peux aller dans Jomiku? Je veux pas l'administrateur. Oh. Sinon je prends l'utilisateur qui avait avant. Mais le problème c'est que. C'était avec Lilian Lasland que tu avais fait un essai tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce vrai? T'aurais un troisième compte? Je veux pas Johan Miku. En fait, il faut là, déconnecte-toi. Michel Pavon. Allez, Michel Pavon. Fais déco là. Vas-y, déconnecte-toi du client 1. Ah, sacré Michel. Le capitaine. C'était lui. Le Mi Pavon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est très bien, fais-moi un nouveau dossier là, s'il te plaît.
Sur le bureau, fais un nouveau dossier. Renomme-le. Tu peux le renommer, tu l'appelais FCGD, s'il te plaît. Ok, déconnecte-toi. Va sur le serveur 2. Michel Pavon, il est là ? Est-ce que tu peux double-cliquer dessus ? Ça fonctionne. Va dans bureau. Bureau, là, double-clic sur bureau. Il est là. C'est bon, ça fonctionne. Alors, à mon avis, le Johan Miku, ça devait être un reste de avant qu'on fasse le GPO qu'ajoutent les administrateurs. T'as dû peut-être changer le propriétaire ou un truc comme ça, que ça avait pas... Et donc là, c'est parfait parce que tu vois que là, sur le dossier Michel Pavon, tu n'as rien eu à faire. Tu peux y accéder. Et dans l'onglet sécurité, les administrateurs, ils ont quelle autorisation ? Contrôle total. Et si tu vas dans avancer, c'est qui le propriétaire ? Le propriétaire, c'est Michel Pavon. Parfait. Et c'est ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire que là, pour les utilisateurs qui auront des profils itinérants, ça va fonctionner. Ils ont un profil itinérant. Et les administrateurs peuvent y accéder sans se l'approprier, sans avoir rien à faire. C'est bon. Fonctionner, test. Ça fonctionne. C'est exactement ça que je voulais. Est-ce que ça ping ? Non ? Ça ping pas ? Alors, l'ER, qu'est-ce qui se passe ? Alors, oui, bon, première ligne, c'est bon. Deuxième ligne, tu peux double-cliquer sur définir le chemin d'accès du profil. Vas-y. Anti-slash, srvr02, anti-slash profil avec un S. Ouais. Ok, pourcent username, pourcent, parfait. C'est nickel. Tu peux fermer. Ferme l'éditeur de stratégie de groupe. Va dans l'onglet bâté de son PSG, utilisateur authentifié. Question, est-ce que les deux comptes d'ordinateur des deux clients, tu les as déplacés dans l'unité d'organisation ordinateur. Faut que tu ailles dans utilisateur ordinateur Active Directory. Change d'outil. Non. En bas, dans la barre d'étage, juste à gauche. Bon, là, tu as ouvert trois fois le GPO. Continue à gauche, le livre jaune. Là, clique. Est-ce que tu peux double-cliquer sur ordinateur ? C'est bon, ils sont là, ça doit fonctionner. Sur tes clients. Tu te logues avec un utilisateur, ça doit créer le profil itinérant tout seul et les administrateurs peuvent y accéder. Ah mais quand je le fais, ça, j'ai pas le profil itinérant. On va vérifier. Ouais. Est-ce que tu peux te loguer sur les postes de travail avec le compte administrateur du domaine ? S'il te plaît. Ok, je vois tout là. Non, t'as écrit administrateur. Administrateur. Voilà. Tu vas à l'invite de commande et tu tapes GP Result espace -R. Okay. Est-ce que tu peux remonter un petit peu ? Remonte encore. Stop. Paramètres de l'ordinateur. Donc il y a ajouté administrateur au profil itinérant. Il a l'air appliqué, le GPO. Ça devrait fonctionner. Déconnecte-toi.
Alors attends, avant. Ouais. T'avais déjà essayé avec cet utilisateur? Juste avant. Oui. Alors non, pardon, non, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 2, s'il te plaît, me montrer le contenu du dossier? Profil, s'il te plaît. Tu vas dans le D2 points. Profil. Vas-y. Voilà, donc c'est, là tu voulais essayer avec qui? R.O. C'est bon, donc tu t'es déjà logué avec. Nickel. Enfin, elle a pas de profil itinérant cette personne. Ouais. Vas-y. Gros Silva. Let's go. Pas d'erreur apparemment. Il n'y a pas de message en bas à droite d'erreur de profil. Non. Déconnecte-toi s'il te plaît. Va sur le serveur 3. 2. Serveur 3, c'est un peu tôt. Va sur le serveur 2 et dans le dossier profil. Serveur 2. Serveur 2. Je veux voir le contenu du dossier profil. Ah ça c'est bizarre ça. C'est F5 ? Ah bah c'est pas normal ça. Ça n'a rien. Alors, est-ce que tu peux m'afficher les... bah non, retourne sur le client, pardon. Vérifie un truc. Va sur le client où elle est, Rosa. Rose là, je sais pas ce que t'as fait. Comment il s'appelle. Le client là, un des deux postes de travail. T'es logué sur un des postes là. Tu sais plus lequel c'était ? J'entends ton solution ? Oui. Fais Windows R. Membre 2. Anti-slash, anti-slash, SRVXY02. Oh, c'est bizarre, il n'y a pas eu de message d'erreur, c'est étonnant ça. Je peux pas autoriser les collections. Username. Va dans le profil. Essaie de faire un nouveau dossier. Bon. Alors, retourne dans ton GPO là. Non, non, c'est bon, fais échappe, c'est pas grave. Je voulais juste vérifier que l'utilisateur pouvait y aller. Quoi ? Username, il y a une faute ? Tu peux retourner sur ton serveur 1, s'il te plaît. Tu vas dans ton éditeur. Alors déjà, est-ce que tu peux me fermer tous les objets stratégie groupe que tu as ouvert là, dans la barre des tâches là ? T'en as 3. Est-ce que tu peux les fermer, s'il te plaît ? Ferme. Ça va arriver, ça. Ils vont se fermer là, attends un petit peu. Et ferme le troisième aussi. Le troisième aussi. Voilà, celui-là, tu le fermes aussi. Voilà, okay, ça va se fermer. Et retourne dans l'éditeur de stratégie de groupe. Vas-y, tu cliques. Non, c'est à droite. Encore. Là, celui-là. Clique. Voilà. Ok, va dans l'onglet paramètres. J'ai pas fait gaffe, j'ai une faute de frappe. Vas-y, affiche. Non, non, descend, là, affiché sur la dernière ligne, l'avant-dernière ligne. Affiché. Affiché encore. En dessous. Ça a l'air bien pour 100 usernames. Qu'est-ce qu'il me raconte le drame ? Bravo, Drago. Bravo. Ok, fais voir aussi, je le fais. Ah oui, mais il n'y a pas le dossier profil. Ok. Ah ben voilà pourquoi.
Alors retourne sur ton client. Pris le dossier profil. J'ai tous les trucs sauf le. Ce qui te montre ton dossier profil. Donc là, t'es logué avec qui? Avec le fichier. Essaye avec un autre utilisateur. Ouais. Déconnecte-toi, fais se déconnecter, on va essayer avec un autre. On avait bien vérifié, le GPO il est bien appliqué. Donc, va dans ton serveur 2. Ah ouais, mais ça c'est un reste de tout à l'heure. Fais un nouveau dossier sur le bureau. Où ça je vais ? À côté de. Là. À côté. Alors juste, est-ce que tu peux me faire 6dm.cpl s'il te plaît ? Je pourrais vérifier quelque chose. C et D deux points. Ah oui. Non, non, il va pas avoir le droit, pardon. Fais CMD. Fais CMD. Voilà. Va à la vitre de commande. Profil. Entrée. Tu tapes hostname, s'il te plaît. HOSTNAME. Entrée. Clé 3. Clé 0. Ok. Déconnecte-toi. Est-ce qu'il est partagé ton dossier ? Je crois pas. Ah ben voilà. Clé 3 propriété. Va sur le serveur 2. Il n'est pas partagé. Ouais. Ah, attends. Double clic. Il n'est pas partagé. Voilà. Partagé. Allez, serveur 2. Pourquoi est-ce que je lui donne un. Qu'est-ce qu'il te dit ? T'as plus le. Putain, c'est pas possible. Administrateur ou. Anti-slash. Est-ce que tu peux double-cliquer sur ton D de points, s'il te plaît. F5. Fais propriété de profil. Clique droit sur propriété sur profil. Onglet partage. CM2. C'est bien lui. Anti-slash. Oh. Anti-slash. T'as redémarré ton client 2 ? Ouais, ouais. Log-toi sur le client 2, voilà. Et tu fais ajouter. Avec William, là. Connecte-toi avec William. Ferme. Une petite fenêtre. Ferme la fenêtre. C'est bizarre, beaucoup de paramètres avancés. Vous avez paramètres avancés. Là, voilà. Un profil. Ok. Je sais pas ce qu'il dit, c'est quoi ça? Limiter le nombre d'utilisateurs comme ça. Simultanément, c'est un paquet. Ok. Tu fais OK. Autorisation. Tu fais OK. OK. Ah, là tu vois, c'est écrit. Ouais. Servi au-dessus. Partagé. Voilà, OK. Maintenant, tu vas l'avoir. Donc ton serveur 1. Bah, t'es là. Pour actualiser. Voilà. Tout est parfait. Maintenant, je peux, alors, tu peux reprendre le mot. Merci. Vas-y, pareil, fais un nouveau dossier et on va se déconnecter. Va sur ton serveur 2. Va, ferme, va dans le dossier profil. Donc, alors on va retourner sur ton client. Il faut log-toi avec le compte administrateur du domaine. On va refaire un GPO date. J'ai l'impression qu'il s'est mal appliqué ton GPO.
Vas-y, administrateur du domaine. T'es sur le client ? Ouais. Oui. Client de retourne administrateur. C'est ce que j'ai fait. Je le mets là. Le mot de passe, c'est pas ton mot de passe. Si, si, c'est le passeport partout. Ouais. Je mets le passeport partout. Un vide de commande et tu vas taper j'ai fait update slash force cette fois. Allez. On va lui forcer la gueule. Date. Espace. Slash. Force. Raté. Slash. Force. F-O-R-C-E. Reboot. William. Connecte-toi. Ouais, serveur 2. Parce qu'il n'est pas partagé en fait. Serveur 2. F5. Sur serveur qui n'est pas partagé. Alors là, c'est pas mal ça quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Retourne sur ton serveur 1 là. Qu'est-ce qui va pas là dans ton GPO? Tiens, OP, j'ai ordinateur dedans. Ça, il faut le retirer. Configuration ordinateur, c'est ça, forcément. S'il y avait une erreur, il nous mettrait une erreur de profil itinérant. Va dans l'onglet. Non, mais en plus, il dit qu'il est appliqué le GPO. Ça marchait dans GP Result, ça donnait bien le. Qu'est-ce que c'est que ce caray? Ça a coûté cher ce ticket. Là, si tu sélectionnes le anti-slash SRVRS02 anti-slash profil, là, qui est là. Sélectionne tout, fais copier. On va, attends, je vais le refaire. On arrête à profil ou oui, tu t'arrêtes à profil. Tu prends pas U% username %. Tu fais CTRL-C, Windows R. CTRL V. CTRL V. Ouais. Entrée. Des héritages, des autorisations. Si, ça nous amène là, c'est un bon dossier. C'est ouf ça. Ce qui est ouf, c'est qu'il met pas de message d'erreur. Alors, ça, c'est fort de café. Comment t'as réussi à faire ça? Vas-y, retourne sur ton client, on va refaire un GP Result. Donc j'ai pas bien vu le truc. Ouais,
avec c'est le compte admin. C'est géré. Hein. Je suis un peu perdu. Les amis, c'est plus des héritages. C'est quoi que tu veux faire les héritages du coup? Mais en fait, quand on a vu, je sais pas si tu t'en souviens, mais on avait fait tout été sur le. Parce que ça a fonctionné pour tout le reste. Pour tout le monde, c'est bon? Il n'y a que pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Quel piège tu m'as tendu? Petit malin. GP résulte espace tiré R. Convertir les autres sur la directive. Ici, tout sur cette étoile. Ok, descends un petit peu. Ajouter administrateur au profil itinérant. Pourtant, il est bien coché. Hein. Alors là. Descends un peu. Ok, c'est bon, descends. Descends encore. Bah ça c'est bon. Ah, retourne sur le serveur 1, va. Non, le serveur 2, pardon. Va dans le serveur 2, je voudrais vérifier quelque chose. Double clic. Est-ce que tu peux aller dans le dossier travail, s'il te plaît? Modifier. T'es déjà dans l'explorateur de fichiers, là. Travail, il est à gauche. Okay. Là, clic. Ça aurait fonctionné. Okay. Retourne sur ton serveur 1. Alors, va dans... ferme cette fenêtre, là, des profils, comme ça. Est-ce que tu peux aller dans connexion imprimante, s'il te plaît? Le GPO du dessous. Connexion imprimante. Ok, celui du dessous, connexion lecteur. Encore celui du dessous, empêcher le panneau de config. Non, encore celui du dessous, masquer l'onglet sécurité. Non, c'est bon. Ouais, on va aller voir dans default domain policy éventuellement. Remonte tout en haut. Là, sélectionne default domain policy. Clique. Au-dessus. Ok, est-ce que tu peux aller descendre un peu jusqu'à modèle d'administration? Descends. Descends ta souris. Encore. Ah, clique. Afficher. Est-ce que tu peux cliquer sur afficher, s'il te plaît? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi ces paramètres, là? C'est quoi? D'où ça sort ça? C'est qui a fait ça? Ah bah je pense que c'est toi, oui. Alors, est-ce que tu peux modifier Default Domain Policy, s'il te plaît? Tu fais clic droit de souris modifier, s'il te plaît. Et tu vas dans Configuration Ordinateur, Préférences. Configuration ordinateur, pardon. Vas-y, double-clic sur configuration ordinateur. Stratégie. Modèle d'administration. Double-clic sur stratégie. Double-clic sur modèle d'administration. Double-clic sur système. Double-clic sur profil utilisateur. Le premier paramètre, est-ce que tu peux double-cliquer dessus et faire non configuré? Tu fais non configuré. Ok. Et tu descends jusqu'à. Donc c'est télécharger. Non, je suis du dessus. Tu double-cliques. Double-clic. Tu fais. Non, c'était pas celui-là. Ah non, définir. T'as pas sélectionné le bon. C'était télécharger. Ouais, c'est celui-là. Tu fais non configuré. Ok. Fermé.
Okay. Retourne sur tes clients, GP update, reboot. Bah non, c'est pas bizarre, c'était un paramètre dans un autre GPO. À lundi, au week-end. Reboot. Ah, je peux en régler qu'un seul à la fois, je suis désolé. J'en ai qu'un seul neurone. Allez, William. Oui, Liam. Oui, Liam. William, tu l'as là, à gauche. Vas-y, William, au-dessus. William, à gauche. William. Voilà. Ah mais t'as changé de client là, t'es sur le client 2. Ah non mais reste sur le 1 là, c'est celui que t'as redémarré. William. Il apparaît pas dans le truc. On est bien sûr. En fait, c'est et après, vous cherchez à ajouter les jeux de sécurité à l'extraction. Je clique dessus. Je vais activer. Ok. Fermeture de session, s'il te plaît. C'est-à-dire, va sur le serveur 2. Va dans le dossier profil, s'il te plaît. Il est là, William. Tu peux double-cliquer sur William. Ça va. Est-ce que tu peux aller sur bureau? Bureau. Caca, il est là. C'est bon, ça fonctionne. Elle était là, la poulette. Un paramètre dans mauvais GPO. Il m'a appelé avant, je suis désolé. Oui, Christophe, alors t'es où? T'es là. Je t'écoute, c'est quoi le problème? En fait, quand c'est sur le client 2, oui. Je n'ai plus sur le serveur 1, le serveur 2, pardon. J'ai plus le serveur, le client 2. J'ai pas compris ta phrase. T'as dit sur le serveur 2, t'as plus gestion 2. Non. Si, c'est ce que t'as dit. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, mais je me suis mal exprimé. Je t'écoute. En fait, moi, je voulais me connecter sur le client 2. D'accord. Et j'ai rentré administrateur, ça marche pas. Mais, comment ça marche pas? Mais, qu'est-ce que ça dit? Que dit le message d'erreur? Oui, qui dit quoi? On avait vu ensemble. Oui, alors, si tu veux, on a vu ensemble de très nombreuses choses. Donc, si c'est une erreur qu'on a vue, je ne sais pas laquelle c'est. Ça va pas, ça. Non, non, administrateur, c'est domaine anti-slash administrateur qu'il faut écrire. Ah, c'est ça, alors. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Et puis son client 2 n'apparaît pas dans le... C'est ça. Je vais trouver les mots. Tu sais, l'unité d'organisation. Ah, pour voir, c'est ah, bah c'est peut-être normal, on les a déplacées. Normalement, elles sont dans ordinateur. Il ne l'a pas dans le. Il n'a pas dans la base. Là, je suis password. Ouais, tu fais password, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. La base de données de sécurité du serveur n'a pas le compte d'ordinateur. Ah, l'ordinateur apparemment n'est plus dans le domaine. Alors effectivement, si tu vas dans le serveur 1, dans l'utilisateur, dans le conteneur qui s'appelle computer. Non, ça c'est le conteneur qui s'appelle ordinateur. Bah il n'est plus là le client 2. Tu l'as supprimé? Cette GPO là, bah apparemment il a été supprimé vu que ça te dit qu'il n'y a plus le compte d'ordinateur. Bah c'est que tu l'as supprimé. Comment j'ai fait pour le supprimer? Bah t'as appuyé sur la touche supre de ton clavier. Ou t'as fait clic droit de souris supprimer. Et comment je peux faire pour le remettre? Bah c'est mort. Sauf si. Je refais encore. Chère communauté, j'ai supprimé quelque chose dans l'annuaire Active Directory. Est-ce que je peux le restaurer? C'est
La semaine dernière, on a vu comment activer la corbeille Active Directory. Est-ce que tu l'avais activé? Ah, et ben on va vite le voir. Je crois que la question, elle est vite répondue. Hein. C'est pas là. Alors, il faut que tu ailles dans ton gestionnaire de serveur. Non, reste sur le serveur 1. Non, reste sur le serveur 1. Il faut que tu ailles dans le gestionnaire de serveur qui est en bas. Dans ta barre des tâches, il est ouvert. Okay. Le problème, c'est qu'on voit pas bien ta barre des tâches là. Donc, tu l'as en haut à droite là, c'est la quatrième icône en haut à droite là. En haut à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, descends d'une ligne là. Gestionnaire de serveur. Tu vas dans le menu outils qui est en haut à droite. En haut à droite, à droite, outils. Et tu as le centre d'administration Active Directory. Deuxième ligne. Voilà. Tu double-cliques sur ton domaine à gauche. Là, double-clique. Et non, tu n'as pas activé la corbeille, c'est mort. Du coup, active-la. Ah oui, ce serait judicieux de l'activer maintenant. Tu cliques sur activer la corbeille. À droite, là, au-dessus. Activer la corbeille. Ok. Ok, c'est bon. Elle est activée maintenant. Mais c'est trop tard pour le client 2. Le client 2, il faut que tu le... Faut que tu te logues localement. Donc sur ton client 2, faut que tu te logues localement sur la machine. D'accord. Avec le compte administrateur local, alors je sais pas comment il s'appelle. Mais là, tu es sur l'autre. Autre utilisateur, faut que tu fasses. Ah non, administrateur du domaine, c'est mort. Hein. Administrateur. Donc autre utilisateur et tu as un compte local administrateur, il s'appelle comment? Bah c'était John, c'était Stallone dans. C'est le compte utilisateur que tu as créé quand tu as installé Windows. Ce Windows-là, quand tu l'as installé, il t'a demandé de créer un compte utilisateur. Comment il s'appelle, celui que tu as créé? C'est lui qu'il faut que tu utilises. Donc il faudra te loguer, le sortir du domaine et le réintégrer dans le domaine. Tu es obligé de faire ça. Sinon, tu travailles qu'avec le client, hein, c'est pas très grave. Hein. Un seul client, ça suffit. Hein. Ça a fonctionné? Alors, concernant les profils itinérants, ils ont un défaut. Le défaut des profils itinérants, c'est la volumétrie. Un profil utilisateur, ça fait quelle taille? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il met dedans. Parce que je vous rappelle que dans le profil utilisateur, il y a le dossier document, téléchargement, le bureau, là où les gens ils stockent tout. Le principe, c'est quoi du profil itinérant? J'ouvre la session, ça télécharge. Je ferme la session, ça téléverse. Si le profil, il fait 500 mégas, 1 giga, 2 gigas, 10 gigas, bim, 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 ça fait que du trafic réseau. Et ça, c'est pas bon. Ça prend du temps. Ça ralentit le système. Donc, les profils itinérants, c'est bien. Mais il y a mieux. Enfin, il y a mieux, pardon. Il y a complémentaire. Il y a quelque chose qu'on met en place en complément. Ça s'appelle la redirection de dossier. Et je vais vous montrer ce que c'est que la redirection de dossier. Et ben voilà, 3 gigas, ça fait 3 gigas à déplacer à chaque fois, ça fait beaucoup. Complémentaire et profil itinérant. Ça s'appelle la redirection de dossier. Le principe de la redirection de dossier, c'est ça. Je vais prendre par exemple le dossier document d'un utilisateur. Là, j'ai juste ouvert l'explorateur de fichiers. Quand vous allez dans les propriétés du dossier document, vous avez ce qu'on appelle l'emplacement. Bon, vous le savez déjà, le dossier document, c'est un dossier du profil de l'utilisateur. Il est donc stocké dans le dossier du profil de l'utilisateur qui se trouve sur ces deux points, utilisateur. Le principe de la redirection de dossier, c'est déplacer le dossier document. C'est-à-dire dire que quand Brigitte elle va enregistrer quelque chose dans son dossier document, ça ne va pas s'enregistrer sur le disque dur. Ici, à la place d'un chemin local, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un chemin UNC. Je vais l'appeler redirection. Ça veut dire que ici, quand Brigitte enregistre quelque chose dans son dossier document, elle croit que c'est dans son profil local, et bien ce ne sera pas dans son profil local. Ce sera enregistré dans un dossier partagé sur le serveur 2. L'objectif, c'est que les fichiers qu'elle enregistre ne soient plus sur son disque dur, qu'ils soient directement dans un dossier partagé se trouvant sur un serveur. Comme
ce qu'elle va enregistrer est directement dans un dossier partagé et n'est plus dans le profil, ça ne va pas charger le profil itinérant. Ça ne va pas alourdir le profil itinérant, vu que ces fichiers sont déjà dans un partage. Ça sert à ça, la redirection de dossier. Mmh. Oui. Quand on va accéder à son profil itinérant dans le document, dans le fichier ? Non. Il sera dans le dossier redirection. Il sera dans un autre dossier. Finalement, ça sera tous les fichiers de chaque dossier de son profil ? Oui, on peut le faire sur tous les dossiers. Mmh. On peut le faire sur documents, images, téléchargement, bureau, tout. On peut tous les rediriger. Du coup, ça ne sert à quoi d'avoir accès à l'heure de son profil itinérant pour rentrer dedans ? Alors, si tu as tout redirigé, ça ne sert plus à rien. Okay. Et si tu n'as pas tout redirigé, il en reste dans le profil aussi. Okay. C'est deux solutions. Il y a des entreprises qui font que de la redirection de dossier, qui ne font pas du tout les profils itinérants. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui font les profils itinérants et pas de la redirection de dossier. J'essaie de vous montrer. En général, on fait la redirection surtout pour la lourdeur des dossiers. Oui, c'est pour alléger les profils itinérants en général qu'on fait la redirection de dossier. Oui. Sur ces dossiers-là aussi, il faudra s'en être propriétaire ? Non. Non, pas besoin. Donc l'objectif sera de automatiquement faire de la redirection sur le dossier document. On va prendre comme exemple le dossier document. Évidemment, on fait ça grâce au GPO. C'est beau, hein ? Je vais vous montrer comment on fait ça. Allez, je vais faire un nouvel objet de stratégie de groupe qui s'appelle redirection de dossier, par exemple. Ils m'ont cassé à redirection. Ouais, mais c'est de la redirection, moi. Je fais de la redirection. Parce que j'aime bien la redirection. C'est la redirection. Et donc, pour mettre en place de la redirection de dossier, j'ai besoin d'un dossier partagé. Alors les dossiers partagés, on les fait sur quelle machine ? Serveur 2. Bon, je vais aller sur mon serveur 2, là. Dans mon explorateur, dans mon petit volume RAID 5. J'avais un dossier profil, j'avais un dossier travail, et ben, je vais faire un nouveau dossier qui s'appelle Redirection. Excusez-moi de vous déranger, oui. J'ai un problème d'ordinateur. Oui. Est-ce que quelqu'un peut venir regarder ? Oui. Allez. Il est chaud, hein. Tu feras attention à son maillot, hein. Ah là 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 là. Fais attention, LCFCGB dans le cœur, hein. Donc je crée le dossier redirection et bien évidemment il faut le partager. J'ai besoin d'un dossier partagé. Eh bien je partage mon dossier redirection, très facile, onglet partage. Partage avancé, partager le dossier, autorisation, tout le monde, contrôle total, et hop, c'est bon. C'est fait, on est bien. Donc ça y est, j'ai fait mon petit dossier partagé qui servira pour ma redirection de dossier. Et donc à partir du moment où vous avez créé votre dossier partagé sur le serveur 2, dossier qui s'appelle redirection, vous retournez sur le serveur 1, vous retournez dans gestion des stratégies de groupe, vous faites un nouvel objet de stratégie de groupe que vous appelez redirection de dossier, faites comme vous voulez, ça c'est pas très grave le nom. Et une fois que vous êtes dans redirection de dossier, vous allez aller dans, vous modifiez le GPO et vous allez dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier. Et dans redirection de dossier, vous devez voir tous les dossiers qui composent un profil utilisateur. Vous avez le dossier document, bureau, menu démarrer, images, téléchargement, lien, etc. On va commencer par le dossier document.
Pêche. Hmm. Je t'écoute. J'ai créé mon dossier sous data. Très bien. Pour le partager, j'ai loupé une étape. Clic droit de souris, propriété, onglet, partage. Oui. Partage avancé. Partager ce dossier, il faut que tu coches la case. Ouais, et tout en bas, il y a autorisation. Il faut que tu le mettes tout le monde, contrôle total. Avec plaisir. En passant là sur le dossier, j'ai vu que dans les systèmes, il y avait marqué profil utilisateur et puis dans ça, il y avait le paramètre limiter la taille du profil. Ça joue du coup sur la volumétrie du profil en interne. Oui, tu vois, tu peux le limiter. Mais ça voudra dire que les utilisateurs, ça va être à eux de supprimer des fichiers s'ils veulent. Okay. Ce qui est faisable, c'est une solution pour s'en sortir. Vous y êtes ? Oui. Il est bien long pour la dépanner quand même. Bon. Je vais peut-être aller jeter un coup d'œil parce que. Ah bah ils sont plus là tous les deux. Ah bah alors c'est. Ah ? Eh bien il est en train de réparer l'ordinateur. Ah mais c'est pas le tien. Mais non, c'est pas lui. Non, c'est un client. Il est fatigué. Maintenant. Ah, si, quand même. Tu me rassures. Ça passe vite. Il y en a un, il a dit ça, on va faire le contraire. Oui.
C'est bon, il a 106. On voit vous balader avec les deux maillots, c'est bizarre, hein. c'est bizarre, t'as les deux carrés, tu fais oh là là, il y a c'est un truc. Si c'est la même team, vous êtes sûr? Non, mais on va pas s'entendre tous les deux là. En vrai, tout ça arrive avec des maillots de foot, ça va faire bizarre. Surtout si ça commence à dépanner. Mais non, je suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà. C'est bon. Non, il n'y a plus de problème, On n'a pas tous des maillots de foot, parce que non, on est tous en maillot de foot. Bon, bah donc, propriété, on en était là quand même. Alors. Si vous êtes dans les propriétés du dossier document concernant la redirection du dossier document, par défaut, c'est non configuré. Il n'y a pas de redirection de dossier par défaut, évidemment. C'est normal. Nous allons activer la redirection de dossier en cliquant sur le petit menu déroulant et on va choisir la redirection de base. On va faire une redirection classique. Et plusieurs choix pour plus. Voilà. Oui. Menu déroulant. Serveur 02. Et donc là, si je décide de faire une redirection de base, il me propose soit de rediriger vers le répertoire d'accueil de l'utilisateur, soit créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine, soit rediriger vers l'emplacement suivant, soit rediriger vers l'emplacement du profil utilisateur local. Bon, déjà le dernier, bah, c'est sûr que c'est non, vu que c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas rediriger localement, on veut rediriger vers un partage. Rediriger vers l'emplacement suivant, ça veut dire vous avez déjà un dossier qui contient le dossier document des utilisateurs, ce qui n'est pas forcément le cas, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Ça, c'est pas bon. Rediriger vers le répertoire d'accueil, ça, c'était un vieil héritage de Windows 95, le répertoire d'accueil. On n'a plus ça maintenant. Bon, bah ça, c'est pas mal. Ça veut dire que pour chacun de vos utilisateurs, il va créer un dossier qui porte le nom de l'utilisateur. Et ça, c'est pratique parce que actuellement dans votre dossier redirection, il y a quoi comme dossier? Il n'y a rien. Il est vide. Et eh bien, il va créer tout seul les dossiers. Donc, je choisis, évidemment, créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès racine. Et le chemin d'accès racine, ce sera // SRVXY02 /. Il s'appelle comment? Redirection. Exact. Redirection. Et il est sympathique parce qu'en dessous, il vous a mis un petit exemple pour l'utilisateur clair. Le dossier sera redirigé vers serveur redirection clair document. Donc je sais déjà que si un de mes utilisateurs s'appelle clair, quand le GPO va fonctionner, ça va créer tout seul un dossier qui s'appelle clair avec un sous-dossier document. Ne faites pas OK ni appliquer. Il faut aller dans l'onglet paramètres d'abord. En haut, vous avez un onglet paramètres. Artung. Vous y êtes ? Allez, onglet paramètres. Première case à cocher. Accorder à l'utilisateur des droits exclusifs sur document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a que lui qui aura les droits ? Il n'y a que lui qui aura les droits. Et ben, c'est le même problème que les profils itinérants là. Donc, et ben, on va la décocher cette case. Comme ça, les administrateurs ils pourront y accéder. Deuxième ligne. Déplacer le contenu du dossier document vers le nouvel emplacement. Alors, comment vous la comprenez, celle-là? C'est le contenu de ce qu'il y a dans l'utilisateur, dans les dossiers profil, du dossier document, du dossier profil, et c'est la copie vers l'emplacement. Bah non, ça ne le copie pas parce que le premier mot, c'est déplacer. Il n'y a pas écrit copier. Donc déjà, ça le déplace, ça ne copie pas. Il déplace le contenu du dossier document sur RCRVXY02. Voilà, le contenu actuel. Actuellement, Brigitte a peut-être un profil qu'elle utilise depuis longtemps. Elle a peut-être déjà du contenu dans son dossier document. Il y a peut-être 500 mégas. Il y a peut-être 3 gigas dans son dossier document. Si vous cochez déplacer,
les 3 gigas qui sont sur le disque dur de Brigitte dans son dossier document, s'est déplacé sur le serveur de fichiers, dans le partage, redirection. Cette case à cocher, elle est dangereuse. Dans le sens où, mais oui, actuellement, je vous ai dit, ça va prendre le contenu du dossier document du profil de Brigitte et ça va l'envoyer sur le serveur. Oui, il fait quelle taille le dossier document de Brigitte? Ben, je sais pas. Mais surtout, il fait quelle taille le dossier document de tous les utilisateurs sur lesquels je vais appliquer mon GPO? Si on met en place de la redirection de dossier, c'est souvent pour beaucoup d'utilisateurs. Hein. Si chaque utilisateur, c'est 10 gigas chacun, quand le GPO il se met en place, vous avez 4000 Tera qui partent sur le serveur de fichiers? J'espère qu'il est costaud, votre serveur de fichiers. Hein. Puis j'espère que le réseau, il est costaud chez vous, hein, et qu'il y a de la bande passante. Hein. Parce que quand ça va s'appliquer, il y a du monde, hein, ça va partir. Donc, elle est intéressante, cette case à cocher, déplacer le contenu, si vous êtes sûr que ça ne va pas saturer votre réseau. Si ça ne va pas saturer le réseau, c'est très bien. Il vaut mieux la laisser cocher. Sinon, si vous avez peur qu'il y ait trop de data qui partent, il ne faut pas la cocher. Bon, en ce qui nous concerne, nous, dans le dossier document de Brigitte, actuellement, il y a quoi? Ben, y a rien, toutes vos personnes à travailler là sur vos utilisateurs. Donc dans les exercices qu'on fait nous, vous cochez cette case ou pas, ça ne change rien. C'est plutôt dans la vraie vie. Si vous êtes dans la vraie vie, il faudra faire attention. Si vous mettez en place la redirection de dossier et qu'il y a déjà des datas dans le dossier document des utilisateurs, ça risque de faire beaucoup. Il risque d'y avoir une saturation du réseau, une explosion du serveur de fichiers. Donc il faut faire attention. Il faut juste faire attention. Bien sûr, l'idéal, c'est de la laisser cocher. Hein. C'est comme ça, Brigitte, elle ouvre sa session, ça déplace les fichiers, vous n'avez rien à faire. C'est le mieux. À condition que le réseau et le stockage puissent l'encaisser, c'est super. Si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire à la main. Et après, finalement, une fois que c'est déplacé, si jamais il n'y avait pas grand-chose, oui, c'est bon. Que les autres utilisateurs, après, ça va se faire petit à petit. Oui, c'est ça. Ça va exploser. Et oui, encore une fois, ça dépend. Voilà. Oui. C'était combien qu'elle avait, Brigitte, à déplacer. Bon, après, le dernier appliqué pour les ordinateurs plus vieux que Windows 2000, bon, je suppose que vous n'en avez pas. Et la dernière partie, ça concerne la suppression de la stratégie. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ça existait, ça. Parce que si vous lisez ce qui est écrit, on parle « conserver le dossier dans le nouvel emplacement pardon, lorsque la stratégie sera supprimée ». Là, on est en train de parler du GPO. Hein. Ça vous dit « si le GPO est supprimé ». Bon, le GPO qu'on est en train de faire, il sert à quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place? La redirection des dossiers. Si je supprime le GPO, c'est que je veux plus que la redirection fonctionne. La redirection, quand elle fonctionne pas, c'est que c'est en local. Parce que c'est ça les deux cas de figure. Soit votre dossier document il est en local, soit votre dossier document il est redirigé. Et s'il est redirigé, c'est grâce à la stratégie. Là, il y a écrit quoi? Lorsque vous supprimez la stratégie, ça conserve le dossier dans le nouvel emplacement. En clair? Vous avez mis en place une stratégie qui redirige le dossier document vers le dossier du serveur 2. Vous supprimez la stratégie, c'est toujours redirigé vers le serveur 2. Ah oui? Oui, il y a écrit conserver le dossier dans le nouvel emplacement. En plus, c'est par défaut, c'est ça? Mais par défaut, c'est ça. Ça veut dire, je veux plus de redirection de dossier, je supprime le GPO, c'est comme si j'avais rien supprimé. C'est toujours redirigé. Voilà, j'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Ça devrait être l'inverse. C'est celui-là qui devrait être sélectionné par défaut. C'est-à-dire redirigé vers l'emplacement local. Si je veux supprimer ma redirection de dossier, c'est que je veux plus de redirection de dossier. Donc je veux que ce soit l'emplacement local. D'abord, je comprends même pas que ça puisse exister, qu'on ait ce choix. Déjà, c'est pas le bon. Mais je vois pas pourquoi on a le choix. Si on supprime la stratégie, c'est qu'on veut plus de redirection de dossier. Sinon, on la laisse. Enfin, voilà, j'ai du mal à comprendre. J'étais pas là le jour de cette réunion, mais donc moi, je fais ça. C'est-à-dire que je décoche la première et je mets redirigé vers l'emplacement local en cas de suppression de stratégie. Il y a une solution pour ceux qui auraient fait cette erreur? C'est-à-dire qu'ils auraient laissé cette case cochée? Mais on peut le changer après. Comment? Ça se change après. Dans quel paramètre? Mais là, dans ce paramètre-là. Tu pourrais faire ça. Hein. Tu pourrais faire ça. Faire OK, on valide. 6 mois plus tard, tu refais propriété et tu changes là. Et t'attends 90 minutes et c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'on avait conservé le dossier, on avait laissé ça. Hop. On n'était pas au courant de ce paramètre. Ouais. On a supprimé le GPO. Ah, bah, c'est mort. Là, c'est bon. À vie, ça va quand même se rediriger. Non. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est
Crée un nouvel objet de stratégie de groupe qui fera ça. Faut que tu fasses ça. Là. Rediriger vers l'emplacement local. Ok. T'en fais un autre qui va faire le contraire de la redirection. Okay. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Voilà, donc dans l'onglet paramètres, moi je fais ça. Voilà. Mais j'ai peut-être pas entendu, mais déplacer le contenu du document vers le nouvel emplacement, donc tu dis que c'est dangereux parce que ça peut saturer le réseau, du coup ils font quoi dans la vraie vie ? Ça dépend. Ça dépend. Soit ils sont sûrs de leur volumétrie, ils ont des gros serveurs et du gros réseau donc ils laissent cocher, soit ils sont pas sûrs d'eux. Et là il y a deux solutions. Soit on va dire la redirection de dossier, on va le faire que pour les nouveaux salariés. Ceux qui, dans leur dossier document, n'ont rien, vu qu'ils viennent d'arriver. Donc là, on est tranquille. Soit on le fait à la main. C'est-à-dire, je ne peux pas cocher la case parce que c'est trop dangereux. J'ai peur qu'il y ait des centaines de terras qui partent. Il faudra le faire petit à petit. Donc là, il faut faire attention. Là, à organiser, c'est plus compliqué. Parce que si je ne coche pas cette case, je fais ça. Hein. Voilà, hop, je me mets comme ça. Ça veut dire que hier, Brigitte, elle ouvre sa session sur sa machine. Dans son dossier document, il y a plein de trucs. C'est sur son disque dur. Le GPO se met en place. La redirection de dossier fonctionne. C'est-à-dire qu'elle, quand on va dans elle va dans le dossier document, c'est en fait le dossier document qui est sur le serveur 2. C'est plus son dossier document local. Dans le dossier document qui est sur le serveur 2, il n'y a rien. Vu que c'est un dossier tout neuf. Et donc là, ça veut dire que Brigitte, sur son explorateur de fichiers, elle ouvre l'explorateur, elle va dans le document, il n'y a plus un fichier. Voilà, c'est écrit infractus. Là, on part sur... AVC, je sais pas. AVC, ouais, c'est minimum un AVC. Au moins, elle s'évanouit. Donc là, ça craint. C'est pour ça que si on fait ça, on ne veut pas le déplacement automatique et qu'on va le faire à la main, il faut prévenir les gens. C'est-à-dire qu'il faut prendre rendez-vous avec Brigitte. Brigitte, lundi matin, quand vous allez arriver, on va déplacer votre dossier utilisateur, on va le faire à la main. Parce que les fichiers sont toujours sur le disque dur de Brigitte. Hein. Ils sont dans ces deux points, utilisateur, document. Et le copier-coller ou le déplacer, tu le fais, il faut le faire soi-même. Okay. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais c'est au moins maîtrisé. Tu sais combien de gigas vont partir sur le serveur de fichiers. C'est plus long. La plupart du temps, ce que je vois, c'est on le fait que pour les nouveaux salariés. Comme ça, petit à petit, il y aura de la redirection de dossier qui se mettra en place. Et puis pour les anciens, bah, tant pis, on attend. Il n'y a pas un programmateur qui lancerait, par exemple, telle stratégie lancée demain à minuit ou... Ben, ça change rien. Si, ça permet l'appliquer la nuit, par exemple. Ah, l'appliquer la nuit, c'est compliqué, parce que pour déplacer les documents de l'utilisateur, il faut que la session soit ouverte. Ouais. La redirection de dossier, ça se fait quand le GPO s'applique, quand la session s'ouvre. Et il faut que l'ordinateur soit allumé. Donc, la nuit, c'est... Enfin, sauf si tu laisses allumer tout le temps. On peut bricoler, après. Il peut y avoir des scripts qu'on peut lancer. Il y a d'autres solutions de contournement. On va déjà faire celle-là, Christophe, dans un premier temps. Ça s'appelle un gros réseau. Un gros réseau, bah, c'est un réseau qui est à peu près comme ça, quoi. Là, t'as un bon... Au moins ça. Bon, là, c'est moins 3 kilos, quoi. Non, la vitesse. T'as peut-être du gigabit, du 10 gigabit, du terabit seconde en fibre optique. Alors, il faut faire attention, il y a deux conditions. Hein. C'est un réseau rapide, donc, et disponible. Parce que c'est pas parce que mon réseau, c'est du 100 terabits seconde, qu'il n'est pas déjà saturé à 100% et qu'il reste zéro de bande passante. Parce que si ça se trouve, mon réseau, il fait plein de choses, quoi. Ça fait du transfert de vidéos, je sais pas, de films, 4K, 3D relief, et ça fait que même les 100 terabits sont saturés. Donc c'est ça, un gros réseau, c'est un réseau rapide et disponible. Et là, c'est compliqué parce que le GPO, on ne sait jamais vraiment trop quand il va s'appliquer. Donc à quel moment il y aura tous les déplacements. Je crois que j'ai viré ma... Ah oui, maintenant que je t'ai mis ça, j'avais dit de base, créer un dossier, aérodirection, on est bien. Bon bah ok, vous allez avoir une boîte de dialogue qui vous prévient, attention, ça ne s'appliquera pas aux ordinateurs avant Windows 2000. On est sûr qu'au niveau de nos clients, on n'a pas un vieux NT4 workstation qui traîne. C'est Brigitte en 98. Brigitte 98, on n'a pas ça. Bon bah oui, allez hop, c'est parti. Ça y est. La redirection de dossier est en place. Donc ce GPO est lié à une OU. Si vous laissez utilisateur authentifié, ça va s'appliquer à tous vos comptes utilisateurs. Tout le monde aura de la redirection de dossier. Vous n'avez plus qu'un seul test à faire. Vous loguez avec un utilisateur et vérifiez ceci.
si vous allez dans les propriétés du dossier document d'un de vos utilisateurs, si vous allez dans l'onglet emplacement, s'il y a C2.User, c'est pas bon. Ça veut dire que votre redirection n'a pas fonctionné. À la place, il doit y avoir écrit anti-slash anti-slash srvxy02 anti-slash redirection, etc. Nom de l'utilisateur, etc. Par contre, on se log avec le nouvel utilisateur qu'on a. Avec n'importe quel utilisateur. N'importe lequel. Même les anciens comptes. Oui, même les anciens comptes, pas de problème. Ça m'arrange, j'avais pas su. Pardon ? Ça m'arrange, j'avais pas su. T'as pas supprimé qui ? Pourquoi tu veux supprimer tes utilisateurs ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ah, ils t'ont rien fait, tu veux les supprimer ? Bah bravo ! T'es comme ça, toi, t'es. Exterminateur. Ah, et t'as dit quoi ? Christophe ? Oui. Tu peux me dire quoi ? C'est où que t'as dit là pour ça ? Tu te logues avec n'importe quel utilisateur sur un de tes clients. Ah oui. Et tu vas dans l'explorateur de fichiers, tu fais propriété du dossier document. C'est pas ça, moi. Okay. T'as document dans l'explorateur de fichiers, t'as document, image, téléchargement pour et tout. De nos clients ? Non, mais une fois, juste pour voir si ça fonctionne. Ah oui, bon, ça n'a pas fonctionné, Christophe. Non. C'est 2.user, MacDo, du Vous avez bien évidemment fait GP Update. Cela va sans dire. Évidemment que non, bien sûr. Bon, bah sinon, vous attendez 90 minutes. Allez, on fait, on attend 90 minutes. Allez, c'est bon. Allez, on va dehors, il fait encore beau. On en profite. On revient demain. C'est ce qu'on devrait faire pour les cours des GPO. On essaye un truc, ça marche pas, on revient demain. Ça marche toujours pas. Ah, j'avais fait une faute de frappe, je corrige. On revient demain. C'est pour ça qu'à l'informatique, quand on demande ça prend combien de temps, ah, c'est une semaine de délai pour faire le truc. On revient demain. Ça facture comme ça ? Oui, c'est comme ça que tu factures. Ah ouais, non, mais là, il faut le temps de faire. Oh là, demain. Une journée de facturation. J'ai pas update en fin d'administrateur. Non. Mais non. Mais du coup, j'ai un message. Ah bah bon, c'est top à la vachette capture d'écran. Ouais, top à la vachette, tant pis. Alors qu'est-ce qui se passe le M ? T'as un message de quoi là ? J'ai pas update, qu'est-ce qui se passe ? T'es logué avec ma. Bon, ma poêle. Ma poêle. Ouais, moi aussi. Que vous avez lu, évidemment. J'ai lu, Eh oui, bien sûr que non, je l'ai pas lu. Bon, alors, tu l'as lu côté, les Qu'est-ce que ça dit Ça dit quoi L'extension côté client de la stratégie groupe folder redirection. Alors, bon, de quoi ça peut bien parler folder redirection? Alors, folder, si vous le traduisez, dossier, et redirection. Ah bah ça doit parler de la redirection de dossier, c'est plutôt bon signe. Alors, n'a pas pu s'appliquer une ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage du système ou la connexion utilisateur. Bah qu'est-ce que ça veut dire? Vu que ça dit ça doit être traité avant la connexion utilisateur. Oh, tu veux dire qu'en lisant le message, on sait ce qu'il faut faire. Alors là, c'est ouf, quoi. Ah bah putain, elle est vraiment tombe. Alors là, waouh. Je fais GP update et le machin me dit ça doit être traité avant l'ouverture de session. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah bah moi, je suis heureusement que je suis assis. Peut-être sinon, je serais tombé de ma chaise. Je tomberais de haut, hein, sinon. Waouh. C'est... Ah là, je suis... C'était la panique. Ah, mais bon, il y avait au moins 6 lignes. C'est vraiment des salauds. C'est pas facile. C'est pas simple. C'est ouf. J'adore faire ça. Tu sais, tu rentres chez toi, t'as dit quoi. Ah oui. Tu peux dire ce que tu veux. Ah, mais moi, quand je suis rentré à la maison. Oh, tiens. Mais même l'apparence, elle a changé de la boîte. Mais ça meurt les paupiètes, anti-slash, c'est inventé. Oh, bah ça fonctionne. En faisant ce qui est écrit dans la boîte de dialogue, ça fonctionne, je suis. Et Bobby. Allez, c'est le mot. Et Bobby. Je suis Ebobi. Et là, on va pouvoir faire des trucs de déglingo. Bah, c'est toi qui vas faire la démo. Là, le M, on est sur toi là. Vas-y.
Donc on est bien d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais te dire un truc, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Vas-y. Là, tu es dans les propriétés de ton dossier document. Oui. Quand on regarde la redirection de ton dossier document, l'emplacement, ce n'est plus l'emplacement local du disque dur. On est bien dans un dossier partagé se trouvant sur le serveur 2. Fais OK. Ça veut dire que là, t'es logué avec qui? Brigitte Eva Green. On est qui là? Comment il s'appelle? Maxime Poil. Ouais. Ma Poil. Ma Poil. Si double-clic dans le document qui voit là, double-clic, ouais. Et qui fait un nouveau fichier, ouais. Au hasard. On le fait, on est ouf. Allez, on est des ouf, Ma Poil. Afrir. Bah, Afrir, pour Ma Poil Afrir. Donc c'est ton document, tu l'ouvres, hein, Ma Poil Afrir, et on met du blabla dedans, on travaille. Donc là, le Ma Poil Afrir, il écrit, travaille, il enregistre. Enregistré, tout court. Fait fermer. Ce fichier-là, réellement, il est sur le disque dur du serveur 2, là. Il est en fait dans le dossier du serveur 2. T'es prêt à faire un truc de ouf? Vas-y. T'ouvres la session avec Ma Poil Afrir sur le client 2. Je tu changes de... Non, tu laisses ouvert. Ok. Ma Poil Afrir sur le client 2. Et une fois que la session sera ouverte, est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Ouais. Donc attention, avec un peu de chance, on a un lien quantique entre les deux. Un lien quantique? Oui, ça s'appelle l'intrication quantique. Ah, tu n'avais pas fermé la session sur cette machine avec Ma Poil Afrir? J'ai pas eu... Ben si, puisque j'étais connecté avec un autre... je sais pas. On aurait peut-être dû faire GP Update pour forcer l'intrication quantique. C'est là où on n'a pas eu de chance en fait. Double-clic sur document. Ouvre Afrir. Tu peux rajouter 1, 2, 3, 4, 5. La suite. Où tu veux. CTRL-S. Ferme. Retourne sur l'autre client. Double-clic. Intrication quantique. Téléportation temps réel. Là c'est ouf. Hein. Ah là c'est ouf. C'est normal en fait. C'est tout simplement parce que les deux dossiers documents vous affichent le contenu du même dossier qui est sur le serveur 3. Tout simplement. En fait, quand tu travailles dans ton dossier document, en fait tu travailles pas sur le disque dur ni du client 1, ni du client 2, ni n'importe quel client. Tu travailles sur le disque dur du serveur. C'est serveur 2. C'est exactement ça, c'est serveur 0. Oui, bonjour. Ça n'a pas fonctionné. Bon, je crois que j'ai fait une bêtise, je vois plus le chat. Attends, j'ai un petit truc à corriger, excuse-moi. Il y a des gens sur YouTube là qui peuvent écrire dans le chat parce que je le voyais pas. Ah si, c'est bon. Désolé Kamel et Coralie, vos messages sont pas passés. Alors le H, il est où le H? J'ai peut-être t'as une explication rationnelle? Oui, j'ai oublié, mais c'est le contrôle total sur le partage. Ah, t'avais laissé tout le monde lecture? Effectivement. Ah, ça joue. Ça joue pas mal, ça. Gestion de stratégie. Mais par contre, tu vois ce message? C'est normal. Et tu l'as pas lu? Ah, et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, fais-le donc. Mais si tu veux, la redirection de dossier. Mais t'aurais dû le faire en même temps. Avant ça, Oui, mais il y a une différence entre le message te dit pour que la redirection de dossier fonctionne, s'applique, il faut DecoReco, et le GPO fonctionne, sauf qu'il va vers un emplacement où l'utilisateur il n'a pas le droit d'écrire. Tu vois, il y a deux liens différents. Il y en a un, le GPO, lui, il essaye de fonctionner.
Sauf que l'emplacement, c'est lecture seule. Ah bah oui, mais là, il ne peut pas aller créer son dossier. Donc la redirection de dossier ne peut pas s'appliquer. Non, dessous. Allez, voilà. Explorateur de fichiers, qu'est-ce qu'il y a dedans? Fais la petite flèche. Oh, ça a l'air beau, ça. Voilà, j'ai envie de dire, c'est green. Yes, anti-slash. Tu le vois déjà là, en placement. Nickel. Donc, tu tentes l'intrication quantique. Attends, c'est OK. Double-clic sur document. Fais un nouveau fichier. Texte, fichier texte, quantique, t'écris. Double clic dessus, intrication, blabla, voilà, 1, 2, 3, 4, blabla. L'intrication quantique, tu sais pas ce que c'est? Ah, c'est un système incroyable qui est complètement fou parce que c'est quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est qui est dans notre connaissance de la physique, c'est impossible. Toutes les équations d'Einstein et tout, c'est basé sur la vitesse de la lumière à une vitesse constante et fixe. Sauf qu'on arrive à faire de l'intrication quantique, on arrive à faire changer d'état, c'est un photon, et il y a un autre photon qui est intriqué avec le premier qui a des milliers de kilomètres, qui au même moment change d'état. Ça veut dire que le transfert d'information va plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible dans l'état actuel de notre connaissance de la physique. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a autre chose. C'est bon. On a autre chose et on sait qu'il y a autre chose. L'univers il s'étend plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Parce que Einstein il a dit, ce qui va le plus vite dans l'univers, c'est la lumière et rien ne va plus vite. Non, en fait, si. Il y a des trucs qui vont plus vite. L'univers va plus vite que la vitesse de la lumière. T'as fait ton quantique là? Reviens sur. Change de client, client 02. Attends, mais fais voir data. Fais voir des. Toutes les incohérences, c'est une lettre de programmation. Ah bah si je pouvais faire cette réunion. Ouais, nouveau dossier. Non, client 2, je t'ai dit. Non, mais le client 1, ça a fonctionné là. T'étais sur le client 1? Redirection, je l'appelle redirection. Avec du casse là, t'étais sur. Oui, j'ai. Ah, et bah faut que tu. De toute façon. Faut te loguer sur les deux avec Pierre Ducasse. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout simple. Tu vas prendre le même utilisateur sur les deux postes. Mais loque-toi quand même avec. Loque-toi quand même. Parce que là, moi je veux voir les trucs qui bougent, j'entends rien là. Non, il faut le partager. D'accord, en fait, je me connecte. Non, partage avant. Pierre Ducasse sur les deux. Voilà, là tu vas dans autorisation. Contrôle total. Je repars sur un autre client. Un client, tu veux dire oui, d'accord, oui. Mais non, non, j'ai pas update. Non, non, mais j'ai pas update, c'est toujours quand on veut pas patienter. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça, là. Si je veux pas patienter, je veux m'amuser. Ah bah oui, là, oui. Bien sûr, bien sûr. Dans la vraie vie, ça s'installe tout seul, c'est près demain. C'est là, en plus, on a des utilisateurs avec lesquels tu t'étais déjà logué, etc. Si je te disais, on fait un nouvel utilisateur tout neuf, il a tout de suite la redirection de dossier qui fonctionne, il y a tout qui marche. Hein. Voilà, t'as pas à faire GP update, c'est instant. La redirection de dossier? Oui, bien sûr. Donc, ton groupe. Oui, bien sûr, mais il y a plein d'organismes qui le font, ça. Mais on fait des scripts. Toutes les écoles font ça. Toutes les écoles qui ont 150 nouveaux élèves en septembre, ils ne créent pas 150 comptes à la main. Tout est scripté, bien sûr. Tu as des fichiers Excel avec tout ce qu'il faut, et boum, ça balance. Mais tu as vu combien j'en ai, moi, des utilisateurs? J'en ai 400. Tu crois que je les ai fait à la main? Ouais, ça va m'occuper. Bon, le temps que vous finissiez, je vais faire. À chaque session, c'est good, non, c'est pas good. Tu vas dans propriété du document. Et tu vas dans l'onglet. Là, dans document, t'as quoi? Double-clic sur document là. Ah bah c'est bizarre ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ah oui, si, non, c'est juste qu'on voit pas l'icône. Autant pour moi. Alors là, t'es sur ton client 2. Double-clic sur document. Double-clic sur quantique. Fais clic droit. Rajoute 1, 2, 3, 4. Contrôle S. Et tu fermes. Ferme ton client. Va sur client 1. Va dans document. Pim. Intrication quantique.
Ça, c'est l'application pratique. Pas du tout. L'intrication quantique, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Oui, c'est impossible pour l'instant. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que physiquement, on le voit, mais on est incapable de comprendre comment ils ont fait. On ne sait pas comment l'information se déplace. On le voit, on arrive à faire l'expérience. L'intrication quantique, c'est une vraie expérience qui est faite par des scientifiques. Ils n'ont pas d'explication. C'est quelque chose qui ne devrait pas fonctionner. En tout cas, pas aussi vite. C'est ce que tu dis en physique quantique. C'est autre chose, mais oui, si tu veux. C'est un truc qu'on réutilise en physique quantique. Ça. Alors, la M. Qu'est-ce qui se passe chez la M? Ça ne fonctionne pas? Ah bah si, ça fonctionne déjà là, ça. C'est toi quantique? Non. Oui. Stratégie de durée. Alors avec quel utilisateur t'es logué là? C'est sur ton bout. Non. Batman? À côté. Client 02? Non, non, serveur 1. T'as fait GP Update? Voilà, je le répète, GP Update, c'est une question. L'application des GPO, c'est une question de chance. Tu peux avoir de la chance parce que ton client 2, il s'est réactualisé il y a une heure. Donc là, il s'est réactualisé entre temps, t'as rien eu à faire. Si tu veux pas patienter, tu fais GP Update. Attends, décoreco. Est-ce que tu veux bien regarder les deux documents? Clic droit. Et faire GP Update. Tu vas mettre. Fais-le sur les deux commande. Tu mets deux bases. Tu fais pas OK, tu fais rien. Tu vas sur le remplacement du dossier. Si ça marche, ça marche. Tu sélectionnes créer un dossier pour chaque utilisateur sous le chemin d'accès. Sinon toi ça va? Ça se passe bien. Ah, à l'explorateur de fichiers, documents. Là-dedans. Elle est là. Double clic sur quantique. Non mais moi je veux juste au bout. 1, 2, 3, 4. Contrôle S. Ferme. Retourne sur le client. Paramètres. Non. Double clic sur quantique. Voilà. Tu peux pas passer dans la boîte. Attends, pas le mot vert. Astrophysique. Quand tu nous tiens. Ouais. Voilà. Pourquoi j'ai pas le logo vert? Parce que t'as pas payé. C'est en sus. Tu fais pas ça. C'est en supplément. C'est comme un supplément. T'as pris que entrée plat, t'as pas pris plat dessert. C'est ça. Non mais pourquoi? Parce que t'as pas payé, tu sais, c'est payant pour avoir le petit V la validé là. Officiel, la pastille, voilà merci. Pour avoir la pastille, c'est payant. T'as pas payé. C'est C ou C R toi? Ça te va comme réputation? C'est 02. Super clair. Petit slash. Redirection. J'ai pas la réponse. Alors cette intrication quantique. C'est Gray? Heureusement que je l'ai vu de mes yeux, j'aurais pas pu. Ah t'as vu ça, c'est pour l'utilisateur clair, ce dossier sera redirigé vers le serveur 2, un dossier rechargé clair document. Tu fais pas paramètres. Tu fais paramètres. Ah mais oui, si tu sépares tes deux clients, sur le premier tu crées un nouveau fichier, c'est normal, les deux visualisent le même dossier. Donc tu vois passer nouveau dossier, renommé, tout est en temps réel. C'est la même chose. Même si, en fonctionnement normal, c'est pas quelque chose qui devrait arriver, ça. Brigitte, elle est pas censée ouvrir sa session sur deux postes différents. C'est pas tout à fait normal. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne quand même, c'est ça l'idée. Et donc, tu vas aller pour vérifier, on se logue avec un client. Quand on ouvre, tu te logues avec un client, tu découvres le compte. Est-ce que ça, je peux peut-être ou pas? Le fichier fonctionne, mais t'es jamais sûr. Attends, je sais plus. Mais découvre le compte. Je te laisse la session une première fois. Il est occupé avec d'autres fichiers, il est utilisé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'erreur quand on sur le dossier? Est-ce que je pourrais poser cette question à la communauté? Ladies and gentlemen, au lieu de dire de conneries, là, c'est bon, c'est fini, là, oh. On pourrait vous poser une question très intéressante? Oui. Parce que vous l'avez peut-être dans un coin de la tête, cette question. Est-ce que tu pourrais la dire suffisamment fort pour qu'il puisse entendre? Comment quand on ouvre? Écoutez ce qu'il dit. Quand on ouvre une session utilisateur sur un client, il charge le fichier ntuser.dat
qui est donc utilisé. Et quand on ouvre une session du même utilisateur sur un autre client, il doit aussi charger le fichier. Et il pourrait y avoir un conflit. Il pourrait dire non, je ne le charge pas parce que je ne pourrais pas le modifier parce qu'il est déjà utilisé. Donc sa question, c'est comment ça se fait que ça fonctionne ? Ouais. Vous arrivez bien à ouvrir la session sur deux ordinateurs différents, mais avec le même compte. Ouais. Et il n'y a pas de conflit de ntuser.date. Pourquoi ? Voilà la question, c'est bien ça ? Est-ce que quelqu'un a la réponse, à part moi ? Bah on va faire la pause pendant ce temps. Vous réfléchissez, puis je vous donne la réponse à la fin de la pause. Peut-être qu'elle viendra de vous-même. Allez. CMD, commande. Je pense que c'est en référence à une phrase que tu avais dit. Bon, bah allez. Donc, bah pause alors. Fonctionnaire test. Ensuite, tu fais GP. Réfléchissez à sa question pendant ce temps-là. GP update. Je tiens apparemment personne n'a la réponse. Allez, chose. À toutes.